Bonjour, ravi de vous retrouver pour une vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on travaille un petit peu avec ce die d'action. C'était un petit nouveau avec des rabats. Donc j'ai fait la découpe du grand die. Donc ça m'a donné ça. Ça m'a donné une carte avec des volets. Donc vous prenez bien sûr les papiers qui vous plaisent. Et j'ai fait une base de cartes. Donc la carte mesurait, je pense, elle faisait 21. Donc pour la base, j'ai mis 21,5 de longueur. Et la largeur, elle faisait 10,5. J'ai mis 11. Donc elle se placera comme ça. Voilà, et on aura des petits rabats. Donc, pour la déco, j'ai utilisé ce die. Donc, celui-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une couronne. C'était une couronne avec des fleurs. Donc, j'ai utilisé les fleurs. Je vais faire des fleurs blanches. Donc, je vais découper, je vais travailler avec ça, des fleurs. Donc, à l'intérieur du grand die, il y avait deux dies de décoration, hein. Donc toujours je travaille avec pour vous montrer un petit peu ce que j'en fais. Donc il y avait de l'herbe et il y avait celle-ci. Donc je l'ai découpé, bien sûr, j'ai travaillé avec ce papier d'action, c'était les blocs 15-30, et là je vais prendre du vert, bien sûr, toujours avec notre bloc de Noël, on va continuer avec. Donc j'ai fait une découpe qui est celle-ci, j'en ai fait une verte. Et j'en ai fait une blanche qui se trouve là. Donc la même, parce que je voulais les mettre l'une sur l'autre pour faire une petite décoration comme ça. J'ai fait aussi l'herbe en bas. Donc pareillement, hein, une verte et une blanche que je superposerai et je laisserai un peu dépasser pour faire un liseré. Ensuite, pour les battants, j'ai voulu mettre des petits carrés avant de décorer l'intérieur. L'intérieur de la carte sera décoré d'une façon et l'extérieur aussi. Donc pour l'extérieur, j'ai fait trois petites cartes vertes, comme ça. Trois petites cartes de, je vous donne la dimension, de 4,5 sur 5,5. Je vais bien sûr faire un arrondi, donc arrondir les angles. Donc j'arrondis les quatre angles. Vous mettez bien les quatre. Voilà, ça vous donne ça. Et ça sera posé comme ça. Voilà. Ouverture. Et là, je mettrai la décoration. Donc, je fais mes trois petits, rectangles carrés. Hein. Et là, je vais les coller sur mes petits volets. Je ne colle pas ma carte d'abord, hein, mon fond de carte. Donc là, je vais essayer de les coller. Vous les centrez bien. Oh, ça ne tombe pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc je ne les mets pas comme ça en longueur, je mets en largeur. Là, on essaye de les mettre, de les placer un peu au milieu. Voilà, un. Je place le deuxième. Je retire un peu pour voir bien que je les place sur le centre. Je vais mettre à peu près pareil. Descendre un peu, c'est vous qui voyez comment les placer. Je vais mettre le troisième. Là, je le place pareillement. Ça vous donne ça, vos trois volets. Ensuite, nous allons un peu les décorer. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, on continue toujours dans nos livrets où j'ai fait les cartes. Hein. Donc, on continue avec ce livret-ci,
si vous voulez faire la même. Donc je regarde un peu ce qu'il y a comme die-cut. Donc il y avait ce petit, j'aimais beaucoup celle-ci, cette planche-là. Il y avait un petit, bon, comme ça je vais le prendre, je vais le coller en hauteur bien sûr. Je vais le coller sur la première. Je trouve pas mal. Donc on va le mettre sur le premier, comme ça. Ça vous donne ça. Ensuite, je regarde pour le deuxième, qu'est-ce qu'il y a comme, comme décoration. Enfin, surtout ce qui reste, parce qu'on s'en est bien servi. Oh, il est joli celui-là. Donc nous avons un petit qui dort, donc on va le mettre sur le suivant ici. Donc je décore les trois volets et après je ferai peut-être l'intérieur ou on continuera un peu l'extérieur. Je découpe ici, il faut pas que ça dépasse, ça me dépasse un peu. Je vais mettre celui-là qui dort. Ça vous donne ça. Ensuite, je regarde toujours sur ma tablette. Ah, il y a quand même, attention, hein, sur vos planches, il est en 3D. Donc, il faut bien le former. Hein. Donc, celui-là, il y a encore une tête. Donc, on va le faire. Vous voyez, vous avez la petite tête, le haut de la tête. Donc, on va mettre du double face 1 cm pour le mettre un petit peu en hauteur et on va le placer sur la petite tête. Il faut bien faire vos petits animaux en 3D. Donc là, c'est là comme ça. Voilà. Ça vous donne ça, un petit 3D. Je regarde de l'autre s'il y avait un 3D aussi parce que j'avais pas fait attention. Non, il n'y en avait pas. Donc il y avait un petit peu de neige, donc on va mettre la neige. Oui, il y avait un petit peu de neige. On va mettre, vous voyez, sur le premier qu'on a commencé, il y avait un petit peu de neige. Donc on va le mettre dessus. C'est pas mal. Il était dessus. Donc je mets de la colle, je ne le mets pas à 1 cm. Et je le glisse en dessous. Ça fera la petite butte sur le dessus, c'est pas mal. Voilà, regardez. Je l'ai mis en dessous, ça fait la petite butte. Ah, il s'est enlevé. Ok, d'accord, il n'a pas collé. On va le continuer, on va mettre de la colle. Elle ne veut pas sortir, mon petit problème de colle revient, comme d'habitude. Voilà, et je la recolle, je le reglisse en dessous. Voilà, très joli. En dessous, normalement il devrait passer puisqu'on a mis du 1 cm. Voilà, regardez, ça vous fait la petite, le petit bas du pied. Ensuite, je regarde le deuxième, il était couché en 3D, donc il n'était pas en 3D celui-là. L'autre, est-ce qu'il était en 3D? On regarde quand même. Non, il n'y était pas. Donc, je cherche quelque chose à mettre dessus. Ça serait bien qu'il y en ait un petit troisième du même. Un petit, le même animal, mais il est un peu grand. Est-ce que je peux le mettre? Il est bien plus grand que les autres. Pas grave, on va le mettre ici. Est-ce que ça peut s'ouvrir surtout? Est-ce que ça ne bloque pas l'ouverture? Non, pas du tout. C'est parfait. Donc, on va mettre le petit troisième. Je mets du scotch double. Je vais mettre un petit monticule de neige pour le mettre dessus, bien sûr. Donc là, je vais le mettre ici. Je vais mettre le petit monticule de neige dessus. Et on va l'enlever. On a presque fini tout ce carnet. Hein.
avec nos cartes. Voilà, donc le petit monticule de neige que je vais placer en dessous, sur le bas de ma petite, une petite carte. Je le mets comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Et là, on va poser notre petit temps. Et dessus, comme ça. Oh, j'aurais dû le pousser un peu plus. J'espère qu'il va s'enlever, je ne vais pas coller. Voilà, ça ouvre bien. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, je vais coller le haut de ma carte, que le haut, hein, parce qu'après il faut qu'on fasse rentrer des images, donc on va coller juste le haut, on va mettre de 1 cm à peu près, et on va placer sa carte sur le centre. Vous la mettez bien au centre. Oh, je vais y arriver. Ici, j'ai du mal à la placer. Voilà. Donc vous la collez sur le haut. Et vous laissez la carte ouverte comme ça. On va la laisser sur le bas ouverte. Parce qu'il va falloir qu'on mette nos décorations. Donc il va falloir qu'on rentre, peut-être ça va dépasser un petit peu nos décorations sur le bas. Nous la collerons ensuite. Donc là je regarde, j'ai un petit Père Noël là qui est pas mal, je pourrais le mettre ici au milieu. Là c'est parfait. Donc je vais le coller. Mais avant de le coller, je vais ouvrir mes trois rabats. J'ouvre mes trois rabats. Oh, attention, il y a une corne là qui tenait. Et là, j'ai pris de l'encre de chez Action. Hein. Je crois que c'est le numéro 4. Je vous montre un peu. Et je vais passer à l'intérieur parce que je ne veux pas que ça fasse blanc-blanc. Je trouve ça pas joli. Ça fait un peu trop blanc. Donc, je vais chercher mon petit tampon vert. Mon petit doigté vert. Je le prends sur le haut de mon... de mes étagères et je voilà, je passe un petit peu en vert mes petits intérieurs. Vous voyez, je vous montre un petit peu, je les passe les trois pour que ça donne un petit peu voilà, je trouve ça personnellement plus joli. Une fois ça fait, je peux coller mes petites illustrations. Donc j'ai pris sur la planche un petit Père Noël hein, que je vais coller hein, carrément avec la colle. Parce que si je mets du double, ça, les battants vont rester ouverts. Donc là, je le place comme ça sur le haut. Ici, il y avait des petits hauts, hauts, hauts. Je regarde un peu. Où c'est que je peux mettre ces petits... Je regarde si ça va aller déjà. Donc je vais mettre un petit... Oh, est-ce que ça va pas prendre toute la place? Je vais le mettre sur le dessus. Voilà. Sur le haut du rabat, je vais mettre, bien sûr, vous ancrez un petit peu le haut du rabat aussi, un petit peu en vert. Un peu trop blanc. Et là, je vais mettre mes petites lettres. Donc, sur le premier.
l'ancienne. Oh. De pousser un petit peu et la troisième juste à côté, j'espère que ça va rentrer. Se concentrer. Donc, voilà, je prends les petites, ça ferme bien, c'est parfait. Donc je regarde un peu ce que je peux mettre en plus. Il y a un petit, c'est mal gelé ça. Ah, c'est un petit sucre d'orge. Je ne sais pas si je peux le mettre là. Non, je trouve pas ça joli. On verra ce qu'on pourra mettre ensuite. Donc voilà. Pour le premier à l'intérieur. Ensuite, toujours sur nos petits livrets, ce qui me reste, il me reste la petite maison qui est pas mal aussi. Je vais voir si elle peut rentrer à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Je regarde, je soulève bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas coller. Je soulève mon bâton. J'essaie de la mettre plus ou moins à l'intérieur. J'aurais bien voulu aller rentrer. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Voilà, je vais mettre sur la première, donc celui du milieu, il y avait le Père Noël. Là, je vais mettre la petite maison. Je vais coller. Vous la rentrez à l'intérieur pour qu'on la voit bien, bien sûr, sans qu'elle puisse dépasser un peu. Je sais, je vais la rentrer dedans parce que là elle dépasse un petit peu. Voilà, ça fait beaucoup mieux. Là il y avait un petit peu de neige qui s'est enlevée. On va la remettre dessus. Ça vous donne ça. Je regarde sur la petite maison, qu'est-ce qu'il y avait comme décoration, qu'est-ce que je pouvais mettre. Oh, il y avait une écriture, mais on va la mettre. Je vais voir si elle rentre, si les écritures en anglais rentrent et qu'elle ne coupe pas la maison, bien sûr. Je regarde un peu là, sur le côté. Non, on va le mettre au-dessus. Voilà. On va la mettre au-dessus, sur le haut de notre rabat. Voilà. Je vais mettre les petites décorations dessus. On va mettre ça. Donc, il y avait ces décorations à mettre sur la maison en 3D. Donc, vous n'oubliez pas de le faire quand il y a des 3D. Vous les faites avec votre scotch d'un millimètre d'épaisseur. Là, je remets. Donc, ça vous donne ça. Vous voyez la maison avec le dessus. Je regarde un petit peu. Oui, on va mettre deux petites décorations, décor. Hein. Voilà. On va mettre ici un petit macaron sur le haut aussi. On va mettre de l'autre côté.
ça fasse bien joli. Et le troisième sur le bas. Voilà pour notre premier rabat. Donc nous avons fait le premier, le deuxième. Bon, pour le troisième, sur ma feuille, il nous reste celui-là, il ne nous reste plus grand-chose. Hein. Il nous reste plus grand-chose, juste un sapin, une tasse. Moi, il me plaît bien celui-là, la tasse. Elle me prendrait peut-être trop de place, la tasse. Non, je vais prendre ce petit bonhomme, donc on va mettre celui-là. Je vais coller celui-là, il me plaît bien. C'est dommage, il y avait sa boule, mais on ne pourra pas la mettre parce que c'est trop gros. Donc on va mettre le petit bonhomme. Je vais mettre le chapeau. Bien sûr, en 3D. Je vais fermer ça, sinon ça va être embêtant. Ciseaux. Le chapeau est minuscule. Je mets son petit chapeau en 3D. Je le mets dessus. En plus, il y a du brillant. Ensuite, il y a aussi des petits cadeaux. Donc pourquoi pas, on va mettre des petits cadeaux. Je vais mettre les cadeaux à côté. Je regarde. Un ici. Il y a un autre, un deuxième de l'autre côté. Ici. Il y avait quoi? Je vais mettre sur le côté ici. Je vais mettre. Un petit nœud ici. Voilà, c'est parfait. On va faire ça. Un cadeau là. Celui-ci, on le colle là. Ensuite, je vais mettre le petit nœud sur le haut. Pas mal. Après, il y a une inscription en anglais. Je pense que ça doit être adapté à la scène. On va le mettre sur le haut. Oh, attention, il est trop grand. Si on le place comme ça, oui, ça va aller. On va le mettre vertical, en diagonale. Voilà. Ma géométrie est bien loin. En diagonale comme ça, je vais mettre donc il y avait deux petites inscriptions qu'on va mettre sur le côté. On va reproduire un petit peu la petite scène. Donc je vais voir la traduction parce que je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je vais regarder. Aussi, je reproduis un peu, comme je vous disais, la scène. Voilà ce que ça vous donne. Donc ici, c'est un peu simple, mais je regarde. J'ai pas d'autres. Aussi, j'ai un petit peu de neige là. J'ai deux petits flocons de neige. Je vais les mettre, ça fera joli. Un là et un sur l'autre côté. Voilà ce que ça vous donne, les trois décorations. Donc là, nous allons les refermer. Oui. Alors, j'avais décoré des grandes bandes, j'avais fait des fleurs et des feuilles, mais
on va voir ce qu'on peut en faire, parce que je trouve déjà qu'elle est pas mal chargée. Donc déjà, je vais mettre les bandes. Donc j'avais découpé les grandes illustrations. Il y avait une, j'ai fait une blanche et une verte. Donc je vais regarder celle que je mets au-dessus, celle que je mets en dessous. Je regarde, je pense que je vais mettre la verte en dessous ou la blanche. Je regarde un petit peu, je trouve que la verte, ça donne un peu plus d'éclat. Oui, ça coupe un peu parce que le blanc, on ne le voit pas trop. Je mets la blanche pour voir. Oui, on ne la voit pas trop. Donc, je vais la mettre, la verte, sur le dessus. Donc, je vais mettre de la colle sur ma bande verte. Attendez. Oui. Ma bande verte que je mettrai en dessous celle-ci. C'est très bien. Donc, je mets de la colle sur toute la longueur de ma bande verte. Après, vous, la décoration, vous faites comme vous voulez, hein, et les papiers aussi. Moi, c'est surtout des idées que je vous donne, hein. Je me répète chaque fois. Donc là, je vais placer ma bande verte dessus la blanche et je vais faire dépasser, bien sûr, la blanche. Il faut faire dépasser la blanche d'au moins 4 mm. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je vais la coller au-dessus. Je vais mettre la colle sur les deux bandes, là, ici, sur les deux. Et je vais la coller sur le dessus de ma carte, pas de mon fond de carte qui est un petit liseré, et je la mets sur le centre. Je la colle bien. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je fais pareil pour l'herbe. Donc, je prends, on a dit le vert au-dessus. Donc, je mets de la colle sur la verte. Sur la bande verte que je vais coller sur la blanche pour la faire ressortir le petit liseré, bien sûr. Donc je la mets au bord. Oh, je vais y arriver. Non, si, non, si, si, si. Donc je la place bien au bord. Je mets tout au bord et je fais dépasser, bien sûr, ma bande blanche sur le dessous. Je mets de la colle sur les deux. C'est pour vous montrer un peu ce que ça vous donne la bande. Après, vous pouvez la mettre ou pas la mettre. Ça, c'est vous qui décidez. Et là, vous la collez sur le milieu de votre carte, bien au bord de la carte, pas du fond de carte. Parce qu'il doit y avoir le liseré qui ressort. Voilà ce que ça vous donne. Une fois qu'on a fait ça, je pense, je voulais mettre des fleurs. Je vous avais fait faire des fleurs au début, mais bon. Essayez de regarder toute la vidéo parce que des moments on ne les place pas. Je trouve que ça fait un peu trop chargé. Vous pouvez mettre les fleurs, hein. C'est pas mal aussi. Vous pouvez mettre les fleurs, mais moi je trouve que ça fait un peu chargé. Je vais laisser mes fleurs, je ne vais pas les mettre, ni mes feuilles, et je vais continuer avec mon livret. Donc je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois qu'il y a des petits. On va décorer qu'avec le petit livret. Il y a des petites fleurs avec du hou. Hein. Je vais en mettre un sur le dessus. Voyez. En scrap, on prépare toujours des choses. On sait comment on commence, mais on ne sait jamais où on termine. Hein. Moi, c'est comme ça. Hein. Je ne sais jamais jusqu'où je vais aller. Là, je mets, j'ai mis les deux petits hou sur les côtés. Il y en a encore deux. Je vais les rajouter sur le bas. Donc, c'est vous qui définissez votre carte, comment... Elle doit être décorée. Hein. Vous pouvez préparer des décorations et puis après, au cours de la carte, ça ne va pas du tout. Donc, vous pouvez changer comme vous voulez. Hein. Donc là, j'ai eu un petit problème avec ma lampe. Là, je vais mettre le petit au-dessus du bas. Montre ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Donc sur les quatre côtés. Donc je regarde un peu ma carte. Je regarde ce qu'il y a dans mon livret parce que je pense qu'il est complètement vide presque. Il reste quelques petites. Donc je regarde ce qui reste un peu pour pas, au moins pour le mettre dans ma carte, que ça reste pas dans mes placards. Ah bah tiens, il y a des petites étoiles.
pourquoi pas. Il y a des petites étoiles jaunes qui sont pas mal. On va les mettre. Oh, c'est pas. Oh, attendez. Je trouve ça assez joli. Il me restera simplement les fonds de cartes, mais les fonds de cartes, je peux m'en servir pour mes albums, pour d'autres cartes. Donc, je jette jamais rien. Et il y a une grosse étoile ici. Donc, les petites étoiles, je vais en mettre. Et puis, il y avait une petite inscription quelque part, j'avais vu, qui était restée. Voilà. Pourquoi pas la mettre? Je vais mettre l'inscription ici. Donc, je chercherai ce que ça veut dire. J'espère que c'est une inscription de fête. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises inscriptions dans ces petits livrets. Donc maintenant je mets ma carte, je mets sur mes cartes des sentiments en anglais. Donc vous savez, on change d'avis, hein. Comme je n'ai pas beaucoup de français, donc je mets ça, je mets les petites étoiles là, comme il fait un petit somme, je vais lui mettre des étoiles autour. Voilà. Ça fera assez joli. Et là, je vais en mettre une. J'en ai qu'une, de toute façon. Ah, j'ai de la grande aussi, pourquoi pas. On va mettre la grande ici. Je vois. Non, ça ne fait pas joli du tout. Je vais laisser la petite. Pas, il n'y a pas de colle. Regardez ce que ça donne. Ça fait vraiment beaucoup plus joli. Regardez. Donc j'ai mis là, puis là j'ai mis une inscription et là j'en ai mis une. Je regarde encore ce qu'il y a, si qu'on peut mettre. Ce serait joli à mettre. Je sais pas. Il n'y a plus rien. Ah, il y a de la neige là. Donc je vais les mettre sur le haut. Pourquoi pas? Je vais regarder, il y a trois petits flocons de neige qui me restent. Ici, peut-être. Ouais. Je vais regarder si ça fait bien. Voilà, là, il n'y a plus rien. Ici, c'est une page complète que je vais garder pour faire une carte. Là, il n'y a plus. Il y a... Oui, il y a un petit. Non, ça ira pas. Et là. Il n'y a plus rien, il y a un petit nœud que je ne peux pas mettre quelque part. Non, ça ne ferait pas joli. Donc là, il y a trois petits flocons. Je vais essayer de les mettre dans la carte. Ça fera plus joli dans la carte, oui. Je vais les mettre à l'intérieur, ça fait plus joli. Les mettre sur les petits bâtons, je veux dire, sur la carte. Là, il y en a un autre ici que je vais mettre aussi ici. Plus joli sur nos petits bâtons rabats. Oula, c'est le soir. Voilà, je les ai mis là sur la première. Je trouve que ça fait plus joli. Peut-être en mettre un peu sur, peut-être même les mettre ici. Je change d'avis, hein. Je vais en mettre une ici, deux, pourquoi pas là. Non, on va les laisser à sa place. Il n'y en a qu'un, c'est vraiment parfait. Voilà ce que ça vous donne. Donc je vous montre un petit peu. Voilà. Et en bas des rabats, vous voyez, il y a une petite, un petit, on dirait pour maintenir, je vais mettre des perles rouges. Ça fera un petit fermoir, un genre de petit fermoir, je trouve ça pas mal. Ça, on va voir ce que ça donne sur le bas, sur les trois petits rabats. Ça fait des petites poignées, on va dire. Les demi-perles sont toujours de chez Action. D'ailleurs, j'en cherche. Il n'y en a plus trop en ce moment. J'ai mis sur les trois. Voilà, sur les trois petits poignées. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et ça vous donne une jolie carte. Donc, avec ce die action, on peut faire plein de choses. Hein. On peut faire les fêtes, on peut faire, je veux dire, un pays hivernal, etc. Je vais peut-être en faire quelques-unes de plus. Hein. Donc là,
je regarde, il me reste celle-là, mais on ne peut pas la mettre quelque part. Donc, je la mettrai dans une autre carte. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier, surtout vous remercier d'être là, remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.